ولم تصل لأنها موضع لا تستطيع السلام، فماذا عليك؟ Une question d'une personne aussi concernant la femme qui, à cause de sa grossesse, n'a pas pu jeûner le mois du Ramadan. Donc elle a tout un mois à pouvoir rattraper. Donc après sa grossesse, lorsqu'elle accouche, elle passe dans l'état de nourrice, donc elle allait son enfant, et à cause donc, de l'allaitement, elle ne peut pas jeûner, ce qui fait que deux mois du Ramadan s'enchaînent sans qu'elle n'ait pu rattraper ses jours-ci. Et à la même après, sans qu'elle ait rattrapé les deux mois qui lui restaient extraits de l'autre. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ذكر انها هي لم تفرط في الطلاق حتى دخل رمضان الثاني، فماذا عليها؟ عليها طلاق فقط. نعم. الشيخ العثيمين رحمه الله يقول لك la femme qui n'a pas été négligente vis-à-vis des jours qu'elle devait rattraper dans son sens où elle l'a délaissé sans prêter attention à ces jours-là, mais qu'elle a été vraiment excusée par les autorités précédemment, cette femme-là ne doit que rattraper les jours qui lui manquent sans rien rattraper. شهر رمضان غير الأشهر التي مضت.
Tu nourris l'intention même dans ton fort intérieur à ce que le mois de Ramadan qui arrive soit différent des mois précédents. Tu ordonnes le convenable, tu interdis le blâmable, tu appelles le monothéisme pur. La tufti tu n'émets aucun appel juridique. Tu enseignes aux gens ce en quoi tu as une certitude absolue à 100%. Et lorsque tu doutes d'une chose, n'en parle pas du tout. Tu t'éloignes de tout ce qui est interdit, de tout ce qui va contre le jeûne, ainsi que de ce qui va amoindrir la récompense du jeûneur. Tu pries la prière au Tarawih. Tu multiplies les la lecture du Coran, tu fais beaucoup d'évocations d'Allah et tu l'invoques beaucoup. Tu as accompli la prière spirituelle durant les dernières nuits du mois. Complètement, les dernières nuits complètes. Si tu ne peux pas faire les dernières nuits, alors tu essayes de faire au minimum les nuits impaires de cette nuit-là. Essaye de te retirer du plus possible de ce pardon. Tu délaisses le faux témoignage, sa mise en pratique, le mensonge, la calomnie, la médisance, le colportage des radios et autres. Regardez la télévision. Se rendre dans des endroits dans lesquels on trouve des femmes, de la musique et autre chose de ce genre-là. C'est-à-dire rester à la mosquée dans la plupart du temps. Car ceci fait partie des nombres, des innombrables bienfaits qu'Allah a déversés sur nous de pouvoir rester à la mosquée durant le mois de Ramadan, qu'Allah fasse que nous atteignons ce mois-ci. Et c'est en étant reconnaissant que les bienfaits d'Allah sont constants. Et si vous faites preuve de gratitude, je vous rajouterai, comme ceci a été dit dans le verset. Concernant le fait d'habituer les enfants aux jeunes, nous avons dit précédemment que celui qui n'est pas primaire n'a pas l'obligation de prier le jeûne. Mais on l'habitue quand même à jeûner. ثم في اليوم الثاني يزيد حتى يستطيع إكمال اليوم كامل. Lorsque tu vois qu'il fait preuve de fatigue durant la journée qu'il a dans laquelle il a commencé à jeûner, il intéresse le manger en lui faisant référence à l'importance de jeûner et le jour d'après il laisse le jeûner un peu plus et jusqu'à ce qu'il se fatigue, jusqu'à ce qu'il arrive à accomplir un jeûne d'une journée complète. Concernant la lecture du Coran durant le mois de Ramadan, tu profites de ce moment-là afin de lire le Coran d'une lecture correcte. Et en particulier la lecture de la Fatiha et la petite sourate. Tu auras l'image de celui que tu connais qui a une bonne connaissance des règles de la lecture coranique et tu lui laisses ce que tu connais afin qu'il te connaisse.
وتقرا تفسير هذه الايات التي تقراها tu prends un livre d'exégèse résumé comme ce que Cheikh Sahih rahimahullah et tu lis dedans les sourates que tu dois lire. Alors, tu t'estimes à la al-qira'a al-musajjala tafsir al-sahih. Hadi mawjoud wa lillah alhamd an tariq al-ajza hadi al-mahmoud wa ghayrihi. Ou bien on dit bon, tu vas lire, tu vas écouter par un enregistrement de ce tafsir, de ce livre d'exégèse de Cheikh Sahih qui existe aujourd'hui et qu'on peut obtenir dans, à travers certains sites internet ou à travers ces appareils qu'on a tous. Le sens de cela, c'est que tu utilises tout ce qu'il y a autour de toi comme une assistance dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la mosquée, tu lis le Coran. Et lorsque tu te rends à la mosquée, donc tu la quittes, tu lis aussi. Lorsque tu es libre, tu n'as rien à faire. Aujourd'hui, alhamdulillah, on a tous la possibilité d'avoir le Coran sur soi et de pouvoir l'écouter à travers les appareils que l'on possède généralement. Et on peut même avoir accès aux explications des savants du Coran. Le malade qui ne peut pas accomplir le jeûne. Que doit-il faire? Nous regardons ce malade. Si on peut espérer une maladie, est-ce qu'elle soit guérie? Le roi dit la mort guérie. Après cela, il n'a plus de jeûne. Exemple, il y a quelqu'un dont les médecins l'opèrent. Et les médecins ont évoqué qu'il n'était pas possible pour lui de jeûner si c'était après 3 jours. Donc celui-ci ne jeûne pas. Et après avoir guéri, eh bien, il rattrape ce qu'il a manqué comme chose durant le mois de Ramadan. Quant à celui qui est touché d'une maladie incurable, il n'espère pas une guérison. كان يكون مثلا مريض بالسكر او بضغط الدم او بالفقر او الدم مثلا وهذا المرض ذكر الاطباء بالنسبه لهذا الرجل انه يعني لا بد ان يستعمل الدواء دائما comme une personne diabétique atteinte ou atteinte de pression artérielle ou encore une leucémie dont les médecins ont préconisé pour lui à ce qu'il utilise toujours des médicaments toujours, ne pas s'en passer. Donc celui-ci, il ne jeûne pas et après le mois du Ramadan, il nourrit pour chaque jour manqué un peu. Quand est-ce qu'il nourrit? له أن يطعم في كل يوم يفطر فيه في نهاية اليوم يطعم نعم وكيل بو في البو نغير شاك شوك في المنطقة تكتمها وله أخر إلى نهاية رمضان بسي بو يبو أطعم جسك على طرف رمضان هو تكفير سلام وبعد هذا يعني يطعم 30 أو 29 على ما يكون الشهر. Et après cela, donc il nourrit 30 ou 29 pauvres en fonction du nombre de jours du mois. طيب هل هناك احد يعني عنده سؤال يتعلق بالدرس منه؟ Est-ce qu'il y a parmi vous une personne qui a une question importante en rapport avec le cours qu'on a pris ensemble? بل عليك ما حكم بل عليك؟ Alors, les assalim, quel est le jugement du fait d'avoir les assalim de son jeûne? قلنا انه يجوز ولو يدخل الشيء الى جوف اصلا نعم لا اشكال بها ولا يتنطع بان دائما يجمع الريق ويفصل نعم وقلنا لم يكن يبقى المال وصلاة et que ça ne fait pas partie de ce qui est inséré dans la bouche car ça s'y trouve déjà.
déjà. Et en fait, on ne doit pas faire preuve d'extrémisme comme certaines personnes qui réunissent leur salive pour la cracher de façon à ne pas la valider. Avaler la mort. La Cheikh Al-Azami, rahimahullah ta'ala, cite que cette action est interdite. Mais dans le cas où la personne aurait accompli cela, eh bien, ça n'aura pas d'incidence sur son jeûne et celui-ci restera valide. Parce qu'il n'a rien inséré dans sa poitrine. Exagérer dans l'aspiration de l'eau lorsqu'on jette, par le biais du liban. Ceci est détestable.